What? Attends, mec. Attends. Moi, je prends le record là, je suis un fou. Les amis, on vient de voir passer un de ces Pokémon. Mais what the fuck? Les amis, on croit que c'est Latios ou Latias. Attends. Allez, le Abra, tire-toi, on s'en fout de toi. Mais what the fuck? Les amis, à peine on arrive, à peine on commence, il y a Latios qui spawn. Il est où? Mec, je l'ai vu. Mec, il est... Non, c'est pas lui. Toi, c'était juste un piaf à bec extrêmement moche. Je crois qu'on l'a perdu. Je crois qu'on a perdu Latios. Ah, et en fait, il est en train de se faire démonter. What the fuck? Il commence à se faire agresser, c'est magnifique. Donc, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pixelmon pendant que Gobu est en train de défoncer. Me dis pas que t'es en train de gagner le combat, là. Attends. Ah, t'es paralysé. Ah, bah oh, non, voilà. Non, il est pas du tout en train de gagner. J'espère que vous allez bien. Alors, les amis, juste avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de quelque chose. On a eu un petit bug avec la map. Ce qui a fait qu'on a dû tout ce qu'on a fait durant le dernier épisode, on a dû tout refaire. Donc les amis, ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il nous manque des items ou autre. Comme vous pouvez voir, mon inventaire est la plupart du temps vide. Et écoutez, c'est normal. C'est juste que du coup on a dû tout refaire. Donc voilà, je suis désolé. Et là on a un boss légendaire juste devant nous. Incroyable. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au jus. Et les amis, du coup, aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. On va aussi vous montrer des nouveautés, du coup, que Blast a fait hors caméra. Et les amis, on espère que ça vous plaira. On va récupérer l'abbé qui est juste devant nous. Aujourd'hui, les amis, pour ce deuxième épisode de Pixelmon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà farm. Déjà pour la première... Bon. J'ai reçu un appel, excusez-moi, je suis désolé. Donc les amis, écoutez, j'ai perdu Blast, je ne sais plus du tout où il est. Pendant qu'on a un magnifique petit piaf à bec. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va se taper, on va choper de quoi se crafter des Pokéballs, les amis. Parce que je vais vous montrer qu'on a un peu farm du coup. Je sais pas du tout où est Blast, il est où? Je l'ai perdu, donc les amis, regardez. Déjà on a un peu farm au niveau des... au niveau des baies comme vous pouvez voir. Donc ça on va les récupérer. Regardez, on va toutes les récupérer, c'est magnifique. Blast est de retour. Recoucou à toi. Et les amis, écoutez, on va commencer à crafter les premiers items, écoutez, de Pixelmon. Donc comme vous pouvez voir, on a chopé un peu de fer, on a récupéré du bois. Et les amis, vous allez voir, c'est très très simple. On va commencer à crafter ce qui va nous permettre de crafter des Pokéballs. Donc on va crafter un hammer. Cet hammer va nous permettre... de taper sur une enclume. Et cette enclume, les amis, regardez, le craft de l'enclume est très très simple. Regardez, il nous faut juste ça. Voilà, et ça nous fait une petite enclume. Je vais poser ça juste là. Et regardez, du coup on a une magnifique petite enclume sur laquelle on va pouvoir taper comme ça. C'est magnifique. Et regardez, si on a de la chance, on a, par exemple, là j'ai 4 noix grumes rouges. Les amis, si on les dispose comme ça. Alors pas du tout, peut-être parce qu'il faut les faire cuire. Je ne sais plus, il y a une histoire comme ça. Attends, je vais pas faire n'importe quoi, je crois que c'est ça mais je suis pas sûr. Alors regardez, du coup on a des noix grumes qui sont juste cuites parfaitement. Et là quand on les dispose comme ça, ça nous fait des disques de Pokéball. Regarde, je vais t'en passer la moitié. Voilà, donc ça nous fait des disques de Pokéball. Et pour faire le bas, bien sûr les amis, il nous faut du fer. Donc regardez, ça nous fait 5 petits, regardez, je vais lui en faire quand même un peu plus. On va quand même s'en faire, regarde, je te fais la moitié. Donc voilà, ça nous fait du coup des petits disques de Pokéball. Je crafte-toi aussi un marteau en bois. Un marteau en bois, c'est deux sticks au milieu. Deux sticks au milieu en bas. Et en haut, comme un casque, ça fait un... C'est de bois en fait. Donc du coup, les amis, comme je vous disais, regardez, du coup, on a des disques de Pokéball et des disques de fer. Et les amis, tout ça, on va devoir les taper. Moi, je te propose de faire un truc, c'est que je vais te faire une autre enclume parce qu'écoute... C'est quand même un peu mieux, au moins on va pas se mettre à deux sur la même enclume. Ça va être un peu relou, voilà, donc je te mets ça là. On peut pas pousser les villageois parce que là ils commencent un peu à me saouler. Ils sont vraiment relous, mais tirez-vous. Mais, je crois pas que tu... Non, on évite, non, non, arrête d'enfermer les villageois. En plus c'est le villageois FDP, comme je l'appelle. Non. c'est le pire ce mec. Regardez, mais non, mais pas avec le villageois, je vais pas pouvoir sortir.
Bon, c'est pas très grave. Allez, on le laisse là pour le moment. Donc du coup, regardez, on a nos magnifiques petites, du coup, nos enclumes qui sont juste là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser, du coup, un disque. Regarde, moi j'ai posé un disque en fer. Ah ouais, c'est bonne idée, regarde, très très bonne idée que tu as eue. La bonne idée du joueur français, il est en train de casser tous nos meubles. Incroyable. Ah bah... Mec, on se fait troll, c'est n'importe quoi. Je te le dis, on se fait troll. Vas-y, pose là. Tu l'as eu dans ton inventaire, normalement. Voilà. Vas-y, pose là. Donc du coup, regardez, les amis, on va poser un disque en fer. Et maintenant, on va prendre notre marteau et on va taper avec un clic gauche. Normalement, c'est clic gauche ou clic droit, je ne sais plus. Je crois que c'est clic gauche. Non, c'est clic gauche, ouais, c'est ça. Attends, normalement, c'était ça à l'époque. Ouais, c'est ça, regardez. Donc du coup, regardez notre... Notre disque s'est abaissé, voilà. Et on a entendu un petit bruit, voilà. Regardez comme ça. Du coup, elle est en train de se former, la Pokéball. Et les amis, c'est comme ça qu'on scrape des Pokéballs. Bien sûr, si on change les matériaux, parce que là, on a du bois. Si on passe en fer, c'est beaucoup plus rapide. Vous vous en doutez. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi, les amis. Donc, aujourd'hui, voilà, on va essayer de capturer des Pokémon. On va essayer de faire un peu avancer notre ami... Nos Pokémon, en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je dis notre ami. Et... Il me manque un stick. Mec, ils deviennent de plus en plus flippants, ces villageois. Moi, je te le dis, mec, ils me font extrêmement peur. Tiens, je te passe un marteau en fer. Ça va aller beaucoup plus vite. Et les amis, regardez. On va continuer. On va poser un disque de haute Pokéball. Mais regardez, là par contre, la vitesse est largement meilleure. Ça se voit que c'est insane. Hein. La vitesse est folle. C'est beaucoup mieux. Hop. Je vais même essayer de faire un truc, regardez. On va faire ça comme ça, et ça comme ça. On va... Hop. Au moins, on n'a pas besoin de faire tout l'inventaire, c'est nickel. Donc du coup, les amis, on va se crafter, bien sûr, plein de petites Pokéballs comme ça. Mais il manque quelque chose aussi de particulier. Il nous faut des boutons, parce que les boutons, quand même, vont nous permettre, du coup, de fermer ces Pokéballs. Et aussi quelque chose d'intéressant... Par exemple, vous pouvez voir que grâce à 3 agrumes rouges, j'ai réussi à avoir du coup une Pokéball normale. Ce qui est plutôt logique. Mais du coup, on peut utiliser plusieurs agrumes. Par exemple, si on en utilise, je crois, 2 rouges et une bleue, ça nous fait du coup une super bol et ainsi de suite pour avoir l'hyperbol et autres. J'arrive pas à dormir. Incroyable. J'arrive pas à dormir. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais te montrer? On n'a pas de cobble, mon petit bro. On n'a pas de cobble. Comment on fait? Moi, je te le dis, je sais pas. Mais cet homme avait tout prévu. Regardez, il a fait de la roche. Alors, la roche, on va pas en avoir besoin. Donc, du coup, j'ai fait des boutons. Donc, regardez, du coup, c'est comme ça qu'on craft des Pokéballs. Donc là, pour l'instant, je vais en avoir que 3. Donc, tu mets... Parce que t'as pas vu... Ah oui, mais ça, t'en as eu déjà. Ah, c'est bon, t'as eu mes bas, c'est pas très grave. Tu mets un bas, donc en bas. Un bouton au milieu. Et du coup, le haut d'une Pokéball en haut. Voilà. Ah bon, c'est pas grave. Garde-les. C'est bugué, les amis. C'est n'importe quoi. Donc, du coup, dis-moi, normalement, t'as dû avoir des Pokéballs. Je sais pas combien t'en as eu. Et les. Oh! What the fuck? Mec! Attends, j'ai. Attends. Salut! Mec, j'ai vu un Pokémon, celui-là. Si j'arrive à le choper, je le veux. Bon, on va éviter. Level 50, j'ai rien dit. Beaucoup trop chaud pour nous, là. Je t'avoue que... Par contre, il y a plein de petits Pokémon. Il faudrait qu'on arrive, bien sûr, à commencer avec des Pokémon plutôt simples. Là, il y a un Raichu, mec. Oh là là, il y a des Raichu. Il y a plein de Pokémon hyper stylés. Nous, il nous faudrait des Magikarp pour commencer. Là, il y a Poissirène. Oh, là, je vais essayer avec ce Pokémon-là. Regardez. C'est pas un Roucoule. Je sais, j'ai plus le nom de ce Pokémon. Allez, je me fais défoncer. C'est le problème à chaque fois au tout début de Pokémon. C'est qu'on se fait défoncer par n'importe quel autre Pokémon, du coup. C'est quand même fou. Ah, ça touche le joueur français qui tape dans le level 8 actuellement, qui est en train d'attaquer Oot-Oot. Voilà, c'est Oot-Oot. Le pire Pokémon, vraiment moche. Et du coup, les amis, j'ai pas envie de capturer parce que c'est pas un Pokémon que j'aime bien. Mais écoutez, déjà on l'a mis dans le jaune. Je sais pas si Blast du coup arrive à se taper avec d'autres Pokémon aussi. Là du coup notre petit Salamèche va pas mal. Non, Salamouche a pris trop cher. Il est décédé.
Voilà, je l'avais dit, je le sentais, c'était bizarre. Bon les amis, on va retenter notre chance. Là, on a une évolution de Hoot qui est juste là. On a des scarabrutes. On a plein de choses. Regardez, il y en a un qui est juste là. On va lancer notre salamèche qui est juste là. Et ça commence avec endormissement. Voilà, donc il y a mon magnifique salamèche qui est endormi. C'est un plaisir. J'adore. Je vous jure, vraiment, c'est un plaisir. Ah, ça attaque. Hoot. Et son évolution qui arrive par derrière, qui essaye de m'en mettre plein la gueule. Incroyable. Franchement, si j'arrive à battre... Je prends extrêmement cher. On va essayer de l'attaquer encore une fois. C'est chaud, les amis. Non, mais je meurs à chaque fois. J'ai l'impression que Salamèche est le maillon faible pour l'instant. Dis-moi que tant il est en train de gérer. Je vous avoue, les amis, je parie qu'il est en train de gérer avec ses Pokémon. Tant il en a déjà capturé un autre, je sais pas. Ah non, toi aussi, tu décèdes actuellement? C'est ça, mec, je t'avoue que c'est hyper chaud pour trouver un Pokémon de notre niveau. Pour l'instant, il y a des level 12. Après, level 12, c'est pas très haut, mais c'est quand même beaucoup trop haut pour nous. C'est quand même fou. Donc, écoutez, j'essaye de faire un peu le tour. Mec, il y a des Pokémon, ils sont insane. Oh, il y a un mec de la Team Rocket. Enfin, une fille de la Team Rocket niveau 36, là, qui est juste là. Moi, je pars un peu plus loin. Écoute, je m'en vais vers... le biome enneigé. Je sais pas où t'es, peut-être si tu veux venir. Mais je t'avoue que je regarde un peu partout. C'est extrêmement chaud, il y a des level 34 de partout là. Les amis, regardez, j'ai trouvé un Pokémon à ma hauteur. Viens là, viens. Attends, il est enfin à ma hauteur, regardez comme il est tout petit. Il est tout petit, c'est un Marill je crois. Je suis plus sûr les amis, ça fait tellement... Allez, ouais j'ai touché, c'est nickel. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Pokémon les amis que là... Je vous avoue, pour reconnaître les Pokémon, j'ai énormément de mal. Et on est en train de le défendre. Ouh, il m'a mis un Water Gun qui m'a fait extrêmement mal. Pour l'instant, on s'en sort, les amis. Pour l'instant, on s'en sort. On va pas le capturer. Mais voilà, premier combat gagné. 32 points d'expérience. Et on a gagné... Ah, c'est un Azuril, c'est ça. Et j'ai reçu un Rofish. Ben, ça, c'est nickel. Du coup, les amis, ça nous permet de se nourrir un peu. C'est plutôt sympathique, je vous avoue. Alors par contre je sais pas du tout où t'es. Je t'avoue que je ne sais pas du tout où est Blast. Je l'ai plus, je l'ai perdu les amis. Les amis, il y a un Abra qui est juste là. Oh, j'ai touché Abra. Nickel. Allez, il faut pas qu'il se fasse téléport. Non, il s'est téléporté le FDP. Il est où? Et il est où le Abra? Abra, reviens ici. Je t'ai vu. En plus tout à l'heure il y a un Pokémon légendaire qui a spawné dans le biome où on est. Et je sais pas, je l'ai pas vu. Je vous avoue que je l'ai pas du tout vu. Mais on a un petit Noigrim qui est juste là. On a... Regardez, on a un Pokémon qui est juste là. Lui je pense... Ah! Mais FDP, c'est mon Pokémon. Je l'ai vu en premier. Et... Oui, j'ai... C'est un Roukoul. Allez. J'ai envie de gagner contre Roukoul. Et je te rappelle qu'à la fin de, bien sûr, de l'épisode, on a un combat à faire. Oh, ok, bah je me suis fait défoncer par un cool. What the fuck, mec, ils font beaucoup trop mal ces Pokémon. Hein. Du coup, je te rappelle qu'on a un combat, bien sûr, à la fin de cet épisode. T'as combien de Pokéball, dis-moi? Moi, j'en ai 3. Si t'en as un peu plus, je dis pas non. Attends, ah, t'en as 2. C'est la dèche, un peu. C'est un peu la dèche. Bon, le truc, c'est que je peux pas t'en passer une. Du coup, c'est un peu le problème. Bon, du coup, les amis... Oh, il y a un Dardarnian qui est juste là. Incroyable. On a des baies vraiment partout. Ça, c'est vraiment nice. C'est vraiment super cool. Donc, du coup, on peut vraiment pas mal farmer les baies. Il y a un Abra qui est juste là. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais bien trouver... Je m'enfonce un peu plus dans la forêt. Hein. Je sais pas où je vais. Donc écoute, moi pour l'instant j'essaye de voir un peu des Pokémon, il y en a pas énormément, mais il y en a surtout vraiment qui sont beaucoup plus haut level que moi. Ça c'est sûr, il y en a. Ça il déconne pas sur les... Un Dardarnian rare, mais what the fuck. Mec, j'ai des boss, ils nous donnent des boss alors que on est même pas level 2. Mec, c'est quoi ça? C'est un Alakazam. Alakazam. Stylé, extrêmement stylé. On a des baies un peu partout. Oh! Comme ils l'ont mal fait! J'ai un Pokémon tout carré actuellement!
Bah c'est j'ai plus son nom, je crois que c'est un Maril. Non, ce serait pas Maril ça? Je sais plus. Il est tout bugué, c'est trop, c'est extrêmement drôle. Alors les amis, toujours à la recherche du coup de Pokémon à combattre, parce que là, je vous avoue que c'est compliqué. C'est compliqué de trouver un Pokémon à notre niveau. C'est dommage que, comme dans Pokémon, il devrait faire un truc, genre dans le vrai Pokémon, tu sais, où tu commences, où t'as des... Attends, j'ai... Où tu commences vraiment avec des Pokémon de ton niveau, tu sais. Si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, plus tu commences près... tu sais, où tu commences près du village, tu sais, au tout début. Ok, donc... Mec, je te jure, mon salamèche, c'est le pire. C'est le pire. Les amis, on voulait vous parler de quelque chose. On a découvert une commande qui s'appelle la commande Poké-Heal, qui heal nos Pokémon directement. On n'a pas besoin de faire le tour du monde. Est-ce que vous nous autorisez à l'utiliser ou non? Dites-le nous dans les commentaires, parce que ce que je disais à Blast, je sais pas si c'est legit ou non. Donc du coup, dites-le nous, peut-être que c'est pas forcément le truc le plus... comment dire? Le plus normal à faire, je vous avoue. Oh, nickel, un Pokémon électrique, je veux. Si j'arrive à aller... Je veux ce Watt. Je veux ce Watt. Je le dis, je l'annonce, je le veux. Je veux qu'il soit dans mon équipe, ce Watt. Allez, Watt, prends trop cher. Ah, il m'a paralysé le FDP. Il m'a paralysé. Les amis, il m'a paralysé le FDP. Allez, attaque. Salamèche, attaque. Oh oui. Les amis, c'est le moment de la Pokéball. Allez, Pokéball. Pokéball sur Watt. Les amis. On attend. Oh là 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 là. Et ça capture le premier Pokémon. Le Watt, incroyable. Oh là là. Ça veut dire que Blast n'a toujours pas de Pokémon. Je le sens venir. Mec, oh là là, il y a des mecs, il y a des Pokémon. Il y a des Ponyta. Oh mec, franchement. Dire qu'avant, je connaissais le nom de tous les Pokémon. Et maintenant, j'en connais plus un. C'est incroyable. C'est incroyable. On a des Watt de partout. Alors, écoutez, pour cet épisode, on va utiliser la commande Poké-Heal. Et je viens de me faire agresser par un Watt comme ça, sans pression. Moi, je fais fuite. On va l'utiliser et vous nous direz du coup pour le prochain épisode. Donc voilà, du coup, j'ai fait la commande. On va attaquer du coup des petits Watt. Oh là là, je me fais défoncer. Oh, what the fuck. C'est insane. Hein. C'est KG clair. KG clair. Ah oui, mais ça, c'est pas normal. Ouais, je sais. Samy, on fuit. Non, je vais me faire défoncer. Voilà, incroyable. Donc on va refaire la commande. Incroyable. je me fais totalement soulever, mec, par les Watt. C'est un délire. Actuellement, ils sont level 10. Donc je vous dirais... Oh, je veux. J'attaque. Griffe. En fait, il faudrait que je commence à avoir ma première attaque feu. Ça pourrait être plutôt pas mal. Je vous avoue que ça me ferait un peu de bien. T'es mort? Non. Il est mort. Les amis, ça commence. La mort du joueur français Blastou. C'est triste. Ouais, bah oui. Je sais que ton Pokémon. Mais bon. Et les amis, du coup, j'ai décidé aussi du coup de vous faire des épisodes un peu plus longs. Donc du coup, on va tourner un peu plus dans la vingtaine de minutes. Juste pour vous dire. Parce que du coup, je préfère que c'est un peu... Je trouve que c'est un peu mieux parce qu'on est un peu plus... Oh là là. Oh oui. Ah oh, oui, level 7, level 6, level 7. Oh nice. Oh mon dieu. Mais arrêtez de m'agresser alors que je finis un combat. Il y a mon Salamèche qui a pris un niveau. Excellent. Excellent les amis. Ah oh, mais il a trouvé le spot. Il a trouvé le spot. Non. Viens pas ici. Ah, c'est mes Pokémon. N'importe quoi. Ah mais là je commence à picoter. Ouh là là, Flamèche qui commence à faire des dégâts. Insane, moi je te le dis hein. Je te le dis, ça va commencer à faire des dégâts fous. Donc du coup, c'est franchement, cette série sur Pixelmon, ça me fait tellement du bien. Ça change tellement de ce qu'on fait d'habitude, les amis. C'est vraiment hyper cool. Hein. Je vous avoue qu'avec Blast, on kiffe vraiment cette série. À part du coup le petit problème qu'on a eu au niveau de la map. Mais sinon, vraiment, c'était hyper cool. Hyper cool, on s'amuse énormément à rig tout ça. Oh, j'ai eu de la laine et de la bouffe de mouton. Trop bien. Bon, par contre, pourquoi j'ai eu de la bouffe de mouton?
C'est tellement... Oh, what the fuck. Je te veux, je te veux, je te veux. Ah non, il est level 18. On va se faire défoncer, level 18. Je me dis, non, non, fuis. Non, on peut pas fuir. Ah. Cage éclair. Ah non. On va éviter. On va refaire un petit pokill. Ah, les pokills, ça va être l'ébène, les amis. Cette l'ébène, ça va être n'importe quoi. On va tellement monter vite avec notre... On va changer de Pokémon. Notre what va nous mettre extrêmement bien. Je vous avoue que... Ah, par contre, il va prendre extrêmement cher aussi. Oh là, les dégâts. Les dégâts du what peut-être. Les amis, ça... le what en face passe rouge. Oh là là, les amis, si j'arrive à gagner le combat... La mèche. Oh là là, il gagne le combat. Mon dieu, level 9. Les amis, je commence à me mettre extrêmement bien. C'est un délire. Là c'est vraiment du rush de niveau. Oh non, non. Les amis, si vous voyez ce que je vois, dites-moi qui. Level 24. Est-ce qu'on le tente? Je vais le tenter. Je vais me faire défoncer. Non, on va pas. Ah, mais en même temps, je commence par ça. La mèche, il est fou. Lui. Il est fou. On peut faire fuite? Non. On va recommencer. J'ai envie d'essayer, mais comment on fait pour... Voilà, comme ça. Ah, il est level. Ah, j'avais pas vu. Ah, il a capturé un Pokémon, les amis. Oh là, non, on va pas le tenter. Il est beaucoup trop fort. Bah, écoute, me dis pas ce que c'est. J'ai vraiment hâte de voir tout à l'heure ce que tu nous as capturé. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. En attendant, moi, je continue à m'attaquer à les Pokémon. Quelle est cette chose extrêmement moche? Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va faire un petit charge. Cage éclair. Ok, il se fait défoncer. Mais il est paralysé. Il est paralysé, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, les amis. Oh là là, Watt qui est en train de soulever des... Non, rien du tout. Il soulève rien du tout, Watt. Mais voilà, notre petit Salamèche qui revient toujours au combat. Toujours présent, niveau 10, les amis. C'est incroyable. Moi, je vous dis, Salamèche, c'est le frérot. Qui nous met extrêmement bien. Actuellement, il y a des Rattata level 10. Là, on a de la lave. Il y a énormément de choses. C'est fou. C'est fou. Là, est-ce que lui, on pourrait le tenter. On pourrait le tenter, regardez. C'est un Sévipère. Sévipère qui était dans la team Rocket, c'est ça. Bon, il y a longtemps, bien sûr. On se fait défoncer. Les amis, on va éviter ces vipères, hein. Je crois que c'était le truc qu'il fallait pas tenter. C'était beaucoup trop chaud. Je vais retourner un peu plus vers le village, les amis, et on se retrouve. En vrai, les amis, j'y pense, mais ça serait tellement bien de faire des lives sur Pixelmon. Je vous avoue que franchement, ça serait excellent. Ça pourrait être vraiment, vraiment super fun, à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. De voir, du coup, de farm un maximum avec Blast et tout. Pour avoir les meilleurs Pokémon, à mon avis, ça peut être vraiment... Ah bah tiens, qui je retrouve? Eh, fou, Srota. Tiens, je te... Attends. Ah bah non, j'ai plus de boutons. Excuse-moi. Il m'a demandé des boutons, j'en avais plus. Désolé, mais j'en ai pas du tout. Viens avec moi, on va essayer de regarder un peu s'il y a des Pokémon. Oh. Et toi, t'es level combien? 34. Non, un peu trop pour nous pour l'instant. Il y en a un autre là-bas. On a un autre, il est level 28, beaucoup trop haut aussi, encore une fois. On va regarder un peu partout, je t'avoue que c'est un peu chaud de trouver des... Oh, oui, toi je te... Viens, Michel, viens. On va essayer de le... On va se le tenter. Il a le double de mon niveau, mais il est paralysé. Et ça commence. Ça commence. Les tatanes de Watt qui commencent. C'est n'importe quoi, à chaque fois j'envoie Watt se suicider. Mais pour que du coup, il est perdu. Oh là là. Oh là là. Peut-être. Oh là 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 là. Les amis, ça monte de niveau. Ah là, je vous le dis, ça monte de niveau. Ça enchaîne hein, directement. Notre Salamèche qui est niveau 11. Hein, on va pas se cacher. Ça commence à faire peur aux joueurs français actuellement. Qui est pas très loin de moi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Attendez, j'ai découvert un minerai, les amis. Je sais pas du tout. C'est du minerai de... Du silicium. Et les amis, à mon avis, ça vient de bah du coup de notre mode Pokémon. Je vais le récupérer. On ne sait jamais. Je sais pas ce que ça pourrait être. Mais bon, les amis, je vais commencer à ne plus avoir de nourriture. Même j'en ai plus du tout. Mais du coup, je vais pas tarder
à retourner au village, je vous avoue. Quel est ce truc? Ça, c'est un Pokémon. Mec, c'est quoi cette chose? Niveau 45, mais les amis, c'est fou. C'est quoi ce Pokémon, les amis? C'est n'importe quoi. Les amis, actuellement, j'ai un Pokémon devant moi. J'ai essayé de le capturer. Il est beaucoup plus haut level que moi, mais pour l'instant, je suis en train de le défoncer. Les amis, si j'arrive à le récupérer, Blast n'a plus aucune chance. Je vous le dis direct. Oh, je l'ai eu! Blast! On va s'amuser! On va s'amuser de ouf, tu vas voir quand je vais rentrer. Mec! What the fuck? Gros! J'ai l'évolution de ton. De ton gobou juste avant moi. Mais insane! What the fuck? Attends, mec! Viens! Rejoins-moi, TP-toi, je sais pas, mais viens! Mec, viens voir ça! Je te jure, viens voir ça, mec! C'est un boss, mec, il est légendaire! Ah ouais, bah j'imagine que t'es en combat, mais mec, what the fuck, regardez ça, quoi! Il est énorme! Il est énorme! C'est du grand n'importe quoi! Attendez, je vais attendre Blast! What the fuck! Et attendez, on va faire le show! Niveau 39, une étoile. Oh là là. Moi, je suis fou. Je fais ça, je sais, je vais me faire défoncer, mais juste pour tester. Voilà. Actuellement. Ah bah. Hop. Bah non, j'ai cru qu'il avait disparu. Ah, tu l'as trouvé? Bah mec, ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution de Gobu, si je me trompe pas. Je suis vraiment pas sûr. Mais mec, il est énorme. Il est énorme, c'est du grand n'importe quoi. Alors moi, ce que je peux... La méga évolution, tu penses? Excellent, mec, excellent. Vraiment super stylé, hein. Et que, ils ont fait vraiment avec les nouveaux Pokémon, c'est des trucs de ouf. Bon, là, il y a des petits. On a eu la même idée. Bon, vas-y, je te laisse. Ouais, je vais commencer à rentrer vers le village. Je vais juste voilà, affronter les 2-3 petits Pokémon qui sont juste devant moi. Au moins, ça permet un peu d'XP. Les amis, on a quand même pas mal XP, je vous avoue que là. Est-ce qu'on va gagner? Notre combat contre Blast cette fois-ci. On a nos chances. Je pense qu'on a nos chances. Ça va être plutôt pas mal. Ça va être vraiment tendu. Les amis, il faut tenter. Bon, du coup, les amis, on est rentré. En tout cas, moi, je suis rentré. J'attends Blast actuellement. Donc, regardez. Ça commence un peu à pousser. Regardez, nos baies sont juste là. Donc, je vais en récupérer en attendant. Alors, là, il y a une ligne de blanche. On va laisser pousser des blanches. Je vous avoue que là, on a extrêmement mal géré le truc. On aurait dû faire une ligne de chaque couleur. Là, pour l'instant, regardez. Là, ça va être rose. Là, ça va être bleu. Voilà, comme ça. Et ici, ça va être bah, du coup blanche. On va mettre là, même si... on essaiera de faire quelque chose de plus sympa. Là, je vous avoue qu'on a fait ça un peu en... Comme ça... Mais c'est pas fou. On s'est extrêmement mal organisé. Regardez, du coup, on va en mettre de partout. Voilà, ça va nous faire une belle petite plantation. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est plutôt pas mal. Alors, moi, j'ai tous mes Pokémon qui sont chargés, qui sont à fond. Donc écoute, je te propose le duel. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es chaud? Moi, je t'envoie mon Pokémon. On voit le tien. Et c'est parti. Et ça accepte directement le combat, les amis. Moi, je commence par une... Ok, ça commence, le mec me défonce ma race. Mais au moins, tu es paralysé. C'est le but. Normalement, tu es paralysé, tu ne peux rien faire. Voilà, j'adore... le mec m'attaque quand même. Le mec est un fou. Voilà, moi, je t'attaque. Moi, je suis chaud. Je t'attaque alors que tu es paralysé. Tu me tues mon Watt. C'est très bien. Je t'attaque avec mon Flamèche, y a pas de problème. Et là tu vas me dire, mais t'es débile, t'as un Pokémon haut. Et du coup tu vas me défoncer. Bah oui, la preuve en image. Mais j'avais... Oh oui mec, oh il m'a défoncé, what the fuck. Je m'en fous, j'ai un Pokémon beaucoup mieux. Mec, j'ai des Pokémon, là j'ai un Pokémon, je sais pas ce qu'il vaut. On va tenter, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Et les amis, avec juste son Gobu, il m'a défoncé. Attends, est-ce que... Ah, Darnué, ça c'est une attaque. Il a chopé en photo minus.
Les amis, c'est fou. C'est fou. Il a un Fantominus. C'est n'importe quoi. Ça commence. Ça sort les Pokémon Ténèbres. Alors, mec, là, par contre, ça va être très chaud pour toi, à mon avis, de battre mon... Oh, tu m'as endormi, mon Férocide. Ok, intéressant. Intéressant. Bien sûr, n'hésitez pas à nous dire le nom des Pokémon en français aussi. Par exemple, Fantominus, on sait que c'est Fantominus. Mais là, du coup, Férocide, je crois que c'est le nom... C'est le nom français. C'est le nom français, c'est pas le nom anglais comme on peut voir là, qui s'appelle Grindur. Je sais pas. Clairement, je sais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le vrai nom des Pokémon. N'hésitez pas. Un Magnéti. Magnéti, intéressant. Intéressant. Je t'avoue que j'en cherchais un tout à l'heure, j'en ai pas trouvé. Les amis, on va voir ce qu'on peut faire contre Magnéti. On lui met pas mal cher. Oh là là, mec! Le midlife de Darnué. On spam le Darnué, hein. Je vous le dis. Mec, tu prends... Mec, ton Magnéti, il s'est soulevé, là. Il s'est actuellement très, très soulevé. C'est n'importe quoi. Mec, est-ce que ça serait la victoire du joueur français? Je ne sais pas. Thundershock qui passe. Je ne peux pas attaquer. Oh là là, et c'est le tac. Oh là là. Oh là là. Que se passe-t-il? Il a un... Ah, mais t'as... Ah, t'avais... Je t'avais pas tué, Gobou. Oh, mec, il renvoie Gobou. Ah, oh là, mec. Et je gagne de l'XP. C'est la victoire. C'est la victoire, la première victoire. GG à toi. Je te serre la main. Voilà, je te serre la main. Je savais. Non, ça va, on rigole. Non, mais ça va, franchement, je suis content. Une victoire, pour l'instant, il y a du 1-1. Mec, on devrait marquer ça sur un panneau. Attends, on va marquer ça sur un panneau. C'est une bonne idée, ça. Regardez, c'est quand même un peu plus sympa, du coup, voilà. On voit le nombre de matchs que j'ai gagné. Donc, du coup, on est à égalité. Moi, je vais sortir tous mes petits Pokémon. Voilà, c'est décidé. Regarde, c'est magnifique. On a de la qualité de Pokémon, les amis. Moi, je vous le dis, c'est extrêmement stylé. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Pixelmon. En tout cas, nous, on kiffe énormément tourner cette série. C'est un vrai plaisir de la tourner. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode qui est dans le petit en haut à droite. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, voilà. Twitter, Instagram, tout ça. C'est dans la description. Allez, les amis, on se fait des gros bisous. On se retrouve pour un prochain épisode de Pixelmon. C'était Blast et Gillian. Allez, bye tout le monde.